Welcome to SNB News, people. Like, share. I'm on the streak, baby. We are back, SNB News. Le trio est là. Et je suis vraiment content. Une autre grosse semaine encore d'updates à la NFL, pas upset à la NBA, mais voir MVP talk. Upset de March Madness. Upset de March Madness. Oh my God. Yo, il disait que les Saints, c'est seulement 0.007 bracket encore in the game. Non, c'est dead, il y en a plus. C'est fini. Il y en a plus. Tout le monde a perdu. Zéro sur genre 20 millions. Tout le monde a perdu. Bro. Wow. Arizona, Purdue, crasé bracket tout le monde. Wow. OK, c'est fou. Et puis, of course, Champions League, parce que c'est chaud, c'est chaud. Il y a peut-être une team qui va faire l'histoire bientôt, par de Napoli. Yes, sir. So, on va commencer avec NFL. First subject of the day. Le gars, t'es en forme, parce que moi, Spenty, t'es en forme. Yes, ça, yes. Ça. C'est bon, OK. Garoppolo. Jimmy G. Jimmy G. Jimmy. Va link up avec votre moi. L'équipe à Spenty. C'était ta team, bro. Les Raiders ont signé Jimmy G pour remplacer Derek Carr, parce que Derek Carr est parti aux Saints, à l'équipe de Misogod. Bon choix ou mauvais choix pour les Raiders? Nicky, tu veux y aller first? Bon, je pense que c'est un correct choix. C'est pas mauvais, c'est pas boosté. Je pense pas qu'il va être pire que Derek Carr. Moi, je pense que oui. Mais quand il joue, il est juste... Il get by, genre. C'est pas comme s'il est... Exactement. Mais il y avait comme weapon? My God, j'oublie le nom. Debo. Ouais. Debo. Il y avait Debo Samuel. Il y avait McCaffrey. Il y avait le Titan. Kittle. Il y avait A. Cook pour des deep shots. Puis avec tous ces weapons-là, il faisait absolument rien. Non, mais je veux dire, c'est comme... C'est un quarterback que comme il est stable, genre. Il fait qu'est-ce qu'il a à faire. Je ne dis pas qu'il va nécessairement faire les playoffs, surtout dans la division qu'il est, mais genre, il est capable de te garder comme middle of the pack. Mais il y a still Devonta Adams, genre. So, il y a juste à lancer à Devonta Adams. On sait que Devonta Adams est capable de genre faire comme 15 touchdowns dans une saison. So. Facts, mais t'avais Kittle, t'avais Debo, je répète, puis t'étais pas capable de connecter avec eux autres on a regular basis. Il était capable. Il était juste pas flamboyant. Tu sais, c'est pas un Pat Mahomes, un Burrow. Tellement qu'il était pas flamboyant, on a mis Trey Lance over him. Non, ouais, Trey Lance a start direct avant lui. En comme plus. Là, cette saison-là. Mais c'est parce que avec si tu forces la game, si tu forces Garoppolo à gagner la game, he might not do it. Il va probablement pas le faire. Donc tu dois build une offense qui est capable de bouger sans que Garoppolo doit toujours lancer. Mais... Comme les teams, des fois, on ne dirait pas qu'ils essaient nécessairement de faire ça. Puis je pense que Josh Jacob a eu une bonne saison, soit il pense que leur running game est assez boosté pour, dans le fond, pour l'aider. Puis ils ont Devonta Adams comme receiver. C'est probablement le meilleur receiver qu'il y a eu de sa carrière. C'est le meilleur receiver qu'il y a eu. Oui, il y a Debo, mais Debo, c'était beaucoup du. Il run avec la balle, tu fais une petite passe, checker. Slant, c'est vrai. Mais, drag. Je pense que c'est pas un gros trade, mais une grosse acquisition, mais c'est pas mauvais. Okay. Mais tu regardes, c'est moi, c'est le coach Josh McDaniels, c'est l'ancien coach des Patriots, il y a déjà coach Garoppolo. Puis en disant, ce gars-là, il pense qu'il est Bill Belichick, genre. Il essaie juste de prendre ses anciens Patriots, genre. Il a pris Garoppolo, justement. Il est allé prendre Jacoby Myers des Patriots. Il a trade Waller. Ça, c'est drôle. Après le move que Jacoby Myers a fait. Ouais. Yo. Puis, qu'est-ce qui est fou, c'est qu'il a pris Myers, qui est genre un slot guy et tout, mais t'as quand même Hunter Renfrow, genre. Comme, c'est deux gars qui font quand même les mêmes affaires, genre. Mais je pense qu'il faut pas avec Hunter Renfrow. Mm-hmm. Mais je pense qu'il essaie de faire ce que Bill Belichick fait, mais ça marche pas pour lui. Comme lui, je pense pas que c'est un bon coach comme ça. Clairement. Il y a besoin de talent. Tu ne peux pas enlever du talent de ta team juste parce que les gars ont un ego ou quelque chose du genre. Exactement. Moi, je pense que c'est 4,25 sous pour une pièce. c'est exactement ça. Sign Jimmy G à la place de Derek Carr. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. En place d'avoir 4,25 sous, tu as une pièce.
Ok, j'aurais pas dit aussi. Ah yo, c'est exactement la même chose. Ok, parfait. Donc, mauvais choix, I guess, mauvais choix. Moi aussi, je pense qu'il va rien changer, là. Austin Eckler demande un trade des Chargers. Il veut aller où? Je sais pas, il veut juste bouger. Il veut juste bouger. Il veut qu'on lui donne son cop ou il est out. C'est ça, il veut que comme on le paye, okay, genre comme un top running back. Bah, c'est parce que les deux dernières saisons, oui, il a joué comme un top running back. C'est lui que comme, quand il fallait un TD, il allait faire le TD. Ouais, quand il fallait les verges, ouais, il allait prendre les verges qu'il fallait. Oui, c'était l'offense des Chargers. Non, ouais. Pas être, mais bah, je veux dire, il y a eu une bonne saison. Leur QB aussi a eu une bonne saison. Leur wide ont eu des bonnes saisons. Mais je veux dire, tout passait par Eckler, ouais, aux Chargers. Ouais. Mais moi, ouais, tu vois, j'aime bien Eckler, là, surtout en fantasy. Mais je pense que, justement, les Chargers seraient mieux sans Eckler. Moi, je l'aurais tué. Tu peux flip. Je pense que tu as besoin de running back plus, on va dire, traditionnel, genre comme un gars qui va comme plus Fournette? Court. Non, pas Fournette. Mais comme un gars. Il faut que ce soit un new guy, un jeune gars, mais comme quelqu'un qui va plus courir. Ouais. Que genre, parce que si tu regardes Eckler, oui, il faisait beaucoup de stats, mais il faisait beaucoup de catch, genre de 3 verges, des petits dump-off, puis ouais, il avançait avec le temps, genre. Comme le gars pouvait avoir comme 7-8 catches dans une game. Ouais, facilement. C'est pas ça que t'as besoin. T'as besoin de running back qui court puis qui check un 5 verges. Là. Comme t'as besoin. S'il court 25 fois, ok. Mais j'ai pas besoin que. C'est genre un receiving back qui joue beaucoup, genre. Donc, so, moi, je l'aurais trade. Tu penses aller aux Titans pour. Non, Titans veut pas Derrick ça. Derrick Henry? Oh, si les Chargers pouvaient avoir Derrick Henry, je l'aurais fait. N'est allé, mais je pense pas qu'il ferait. Okay. Je pense pas que les Titans veulent Eckler, d'accord. mais c'est vrai qu'il mérite son cop pour la façon qu'il a joué. Okay. Mais pour moi, les Chargers, sans Eckler, puis ils sont capables d'aller chercher un running back genre traditionnel, je pense qu'il serait meilleur qu'avec Eckler. Ok. Toi, tu penses qu'il devrait rester aux Chargers? Moi, je devrais rester aux Chargers, mais c'est comme Nicky a dit, si tu peux aller chercher des weapons pour lui, tu peux tout le temps aller draft un running back. Moi, des running backs, c'est... C'est vrai. C'est pas une commodité rare, genre. Mais Eckler mérite d'être payé comme yeah, top running back, though. Ouais, ok. Il mérite son cob. Ouais, c'est ça. Comme il a dit, vous me donnez mon cob ou échangez-moi, je suis d'accord avec lui parce que vous m'avez utilisé comme un abusé. Puis ouais, là, vous voulez pas me payer, je vais m'arrêter. Ok. Moi aussi, moi, écoute, je suis pas un grand fan des Chargers parce que Chargers choke tout le temps quand il faut. C'est vrai que j'écoute pas vraiment leur game. Mais en effet, avec lui, je l'ai vu partout, j'ai vu ses stats. So, moi aussi, je pense qu'il mérite son cob. Rodgers, Aaron Rodgers, là, lui fait des mots, lui fait mafioso, mon gars. Yo, est-ce qu'il est avec les Jets ou pas? Yo, pas encore. Il a pas encore eu. Yo, lui, il a mis une liste, il a envoyé ça aux Jets. Non. Il dit, remplissez la liste. Tu comprends pas, il y a une journée sur Twitter, les gens qui sont sur Twitter, il y a une journée, j'étais sûr Aaron Rodgers avait signé, il était avec les Jets. Yo, ça avait l'air qu'il avait signé, mais de ce que je comprends, il est still pas un Jet. Non, il est pas encore un Jet. Jusqu'à maintenant, il est pas encore un Jet. Non. J'ai vu Garrett Wilson, il a écrit « Oh, this is the happiest day, like, in my life » et tout. Il était chaud, là. Je suis comme « Oh, il a signé, nice, tu l'as fait. » Non. Non, le gars est allé au Pat McAfee Show, il a dit « Je devrais... » Il n'y a rien de confirmé, là. Non, absolument rien. Le gars absolument a donné rien. Une liste. Oui. Un grocery list. Avant que j'arrive. Et vous avez gâte lui. Bon. Mais moi, watch player, là. Moi, I ain't gonna lie, le gars n'a pas été capable d'avoir un ring aux Packers avec ces joueurs-là. Là, tu demandes aux Jets de signer ces gars-là. C'est Randall Cobb, Mercedes Lewis, j'en oublie un, là. À Lazard, qu'ils ont signé. Lazard, qui ont signé. Ils ont signé Lazard. T'as pas été capable de rien faire avec ces gars-là. Puis là, tu t'en vas dans une nouvelle team, puis tu dis, yo, je veux tous mes anciens gars. Plus Odell Beckham. Plus Odell. Ouais. Puis tu penses que tu vas gagner? Oui. Non. Moi je pense qu'il est habitué avec Cobb. Il est habitué avec Lazar. Surtout Lazar, à la fin de la saison, les comme 5 dernières games, ouais, les gars connectaient. Là. Ouais. Ça allait saut. Moi, je pense qu'il a fait exprès. Il a dit, je veux tout ça pour me garantir un ring cette année. Puis je pense qu'il y a eu, quand il a dit ring comment on appelle ça, là, les managers des Jets, là, le head coach, puis les GM, quand il a dit « je veux avoir un ring », ils ont dit « non, c'est less ». Ils ont dit « on va t'avoir tout ça, no stress ». Non, à date, ils ont juste signé Lazard. Mais tu vois, la semaine passée, je vous disais que Rodgers, c'est pas un gars qui veut... Il veut pas des young players, il veut pas... Non. Il veut pas lire. Non, il veut pas les... Il veut pas teach. Tu sais, il veut pas teach. Déjà, ça te montre ça, genre. Les Jets ont un young squad, upcoming squad, faut les développer. Puis lui, il arrive, il dit « ok, je veux Odell Beckham ».
Pas besoin de développer. Je veux washed up Randall Cobb. Yes. Washed up Mercedes Lewis. Comme, je veux Lazare. Mais c'est ce qui va se passer. Yo. Non, mais tu comprends pas. C'est comme si tu es en train de dire, yo, il veut pas aller aux Jets, bro. Il est en train de te dire, votre team est trash. So, je veux mes propres gars, mais je veux pas rester aux Packers. Moi, yo, le bon moment qui m'aurait donné cette liste, je dis, ok, tu sais quoi? On t'a retraite, bro. Tu veux pas jouer avec nous. Si tu veux jouer avec nous, si tu voulais vraiment jouer avec nous, t'aurais dû dire, je veux un trade demand, je veux aller aux Jets, trade-moi live. C'est vrai. Yo, y a pas, lui, il, comme il fait tout en son possible pour pas aller là. Je serais déjà aux Jets, là, si je voulais aller, si je voulais aller aux Jets. Mais écoute, non, je dois être d'accord avec toi. Moi, je pense, comme je te dis, il veut s'assurer avoir un ring avec les Jets. Non, parce que c'est sa dernière saison. Mais dis-moi, qu'est-ce que Randall Cobb, Mercedes Lewis, amen. Moi, je pense que, moi, puis Frank, quand on parlait, l'histoire de Pee-Wee Football, moi, je pense que c'est real. Moi, pour la NFL, va commencer à faire ça. Il lance une balle, il la drop, il va faire un moment. Next one. C'est vraiment, c'est pas ça? Non, mais, ok. C'est ce qui se passe en ce moment. Non, il veut un peu d'expérience dans son équipe, je peux c'est comprendre. C'est sûr, parce que si le gars drop, okay, mais Mercedes, amène Randall Cobb live. Mercedes Lewis, t'as pas besoin de lui. Mais pour Randall Cobb, t'as pas besoin. Je pense que je préfère Mercedes Lewis que Randall Cobb. Mercedes Lewis, c'est un bon tight end qui bloque, puis il peut te faire des catches dans l'end zone low-key, là. Mais Randall Cobb, qu'est-ce qu'il a fait avec les Packers? Il était avec les Packers étaient trash là. Il a rien fait. So, ça, je suis en train de dire. Mais il veut des mecs qu'il connaît, qui dit ok. Regarde, s'il voulait vraiment un vétéran, ouais. S'il aurait vraiment voulu, comme on va dire, il veut gagner, genre. J'aurais dit, tu sais quoi, Arizona veut trade Hopkins, aller chercher Hopkins. C'est vrai. Il aurait dit ça, j'aurais dit ok, il veut vraiment gagner. Ça commence à être cher pour les Jets, toi. Si tu veux chercher Rodgers et Hopkins. Non, mais je veux dire. On va prendre un pick-up, c'est sûr. Ce que je veux dire, ok, il aurait pu dire, ok, tu sais quoi? I don't think so. Je veux genre, je sais pas, Juju était available, genre. Je veux des gars qui peuvent encore jouer. Qui ont un peu de gris, qui peuvent jouer encore. On va dire les vraies affaires, là. Juju, là. Non, mais. Ouais, Juju est I'm sorry. Ok, mais est-ce que Juju est pas over Randall Cobb? Live, oui. Oui, bon, live, c'est ça. All time, non. Non, pas all time, mais je veux dire juste en tant que joueur qui peut jouer live. Ouais, je prends Juju over Randall Cobb. C'est ça, so. Rodgers est allé juste prendre des gars, genre, pour prendre des gars, mais il veut pas aller. Moi, je pense, il veut pas aller aux Jets. Mais je pense qu'il s'est dit qu'il voulait pas aller, puis il y avait une liste impossible à faire. Là, il est trap. Là, exactement. Il est trap. Là, il a vu que les Jets étaient sérieux, ils ont commencé à faire la liste, puis il a fait, ok, les gars sont vraiment sérieux. Là, j'ai plus le choix de dire oui, parce que j'ai l'air d'un crétin. Il a déjà l'air d'un crétin. et puis, il se dit, tu sais quoi, fuck it. Même, je suis sûr qu'il a demandé des changements d'aller. Il s'est dit, va prendre OBJ, va prendre lui. Parce que tout ça, c'est nouveau, là. Ouais. So, je pense que plus que les semaines avancent, plus qu'il rajoute des affaires qui se disent, c'est impossible qu'ils font. Je pense que les Jets ont même signé son ancien coach, le coach Hackett, là. Ouais. Ouais. Ils l'ont signé lui aussi. Tu comprends? Parce que à ce qui paraît, ils ont une bonne chemistry and shit. Je te garantis... Le salaire de Rodgers dans ce trade-là va être moins de ce qu'il y a eu dans sa carrière. Non, parce que c'est un trade, il doit garder le même salaire. Oh, le même salaire? Ouais, il doit garder son 60 millions. Ok, ben. Millions, je... Ah, oui, mon gars, le pitch était regarde, boosté. L'affaire Aaron Rodgers, c'est quand il a demandé, il voulait un trade, il s'est dit, c'est un peu comme Lamar Jackson, il pensait aller avoir un full market, genre que plein de personnes veulent l'avoir. Ça a tombé que c'est juste les Jets. Okay. Puis là, il n'y a pas le choix. Là, il n'y a pas le choix. So, parce que s'il retire, il look dumb. Puis s'il comme... Puis s'il reste au Packers. Si je veux rester au Packers, finalement, il look dumb. Il est okay. Vraiment dumb. So, il essaie de gagner du temps. Bro. Comme il veut pas aller. Moi, je veux pas aller aux Jets. Il ne faut pas que la team. Il veut pas aller dans il ne faut pas que la team parce qu'il a demandé une nouvelle offense. Il veut pas être dans la pression médiatique de New York. Mm-hmm. Déjà, il se fait 10 puis il va naître dans le Wisconsin. Imagine qu'il est rendu à New York. So, regarde, il n'est pas sous ça, il n'est pas down. Aaron Rodgers, puis je pense qu'il va aller là-bas. Je pense déjà, pour moi, il peut juste briser quelque chose qui fonctionnait. Qui fonctionnait très bien. So. Ben, très bien. Sans un bon QB. Ouais, c'est ça, ils n'avaient pas de QB. Tu as vu ce qu'ils ont fait, tu as juste à venir upgrade. Exact. Puis, mais donc, tu regardes, même s'il va là-bas, ils sont quand même avec. T'as les Bills, t'as les Dolphins. Ça va être une grosse division. Ça, c'est une autre affaire. Il doit se dire, regarde, si je vais là-bas puis je gagne pas, on va me diss. Mais regarde quoi qu'il y a dans ma division. Oh, mon route est tough. Là. Yo. So, puis t'es dans AFC avec Mahomes, Herbert, Josh Allen, Lamar. Ah, non, il veut pas d'armes, bro. Il veut pas d'armes. Il essaie de... Mais là, il n'y a plus le choix. Il devait pas d'armes, mais là, il n'y a plus le choix. Ça peut être un smart move s'il dit, prenez Randall Cobb, les Jets, prenez Mercedes Lewis. Moi, je vais avoir du New Blood. Prenez les Fatras. Ce serait fucked up, ça.
Je serais juste des mafioso. Yo. Mafioso. Regarde, je serais pas surpris. Tu sais quoi? Je vais tailler. Yébi. Puis là, t'as fuck up toute la franchise des Packers. Yo! Non, parce que live, vous devrez, il y a deux teams. Il y a mis deux teams en otage. Les Packers peuvent rien faire tant qu'ils trade pas Aaron Rodgers. Ouais. Puis les Jets doivent prendre tout ce que Rodgers veut. S'ils prennent pas Rodgers, mais ils ont foiré l'off-season. Parce que tout leur cob ouais. est parti là-dessus. Ils auraient pu avoir Derek Carr. Faut pas que c'est boosté, mais ils auraient pu. Toutes les QB sont plus là. Non. C'est dead. Puis je pense même pas qu'ils sont assez hauts pour draft un bon QB. So. Ben, il y a encore Eniki in the market. Don't laugh. Je pense qu'il y a avec les Falcons. Non, ils sont en discussion. Ok. En discussion. C'est justement, là, je fais un segue sur la prochaine question. Brissette va aux Commanders. Moi, ce trade-là, c'est un disrespect envers Tyler Nicky qui a joué. Ou disrespect. Grosse saison, mais. Ok, season. Il y a eu une bonne saison. L'équipe qui a. Il y a eu une bonne saison. Il a été clutch, il a fait des gros plays. Mais à cause de ça, je pense que c'est pour ça que Tyler Nicky est en train de parler avec les Falcons. Je pense que c'est juste que. Thomas Nicky. Vu qu'il n'y avait pas de story, il voulait un peu plus de cop comme story. Vu que c'était lui le story, puis Brissette, on lui donne un cop de bench. Je pense que c'est ça la différence. C'est juste que tu penses que Nicky, là, il est starter? Non, mais. Ben, avec Falcons, oui. Avec Commanders. Avec Commanders, non. Et c'est qui est Commanders? C'était lui. C'est lui, c'était lui. C'est ça. Avec Commanders, starter, so, il peut demander plus d'argent. Oh, so, dit, je comprends. Voudrait, t'es pas bon comme ça, on peut juste prendre le backup. Je comprends. So, c'est ça qui est arrivé. Je comprends. C'était pour lui dire, basically. Fais ton respect parce que ouais. Brissette qui est là, que lui est prêt à starter pour ce club-là. Ouais, yeah. Je comprends. Ok, ben il va sûrement aller aux Falcons. Encore une fois, est-ce que c'est une bonne décision pour l'équipe des Falcons? Ben les Falcons, rendu là, je pense qu'ils vont starter le rookie qu'ils ont draft l'année passée. Strickler, Strider, je pense que c'est Strider. J'ai oublié son nom. Wow, mais ouais. Là, Mariota est parti. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils vont draft le rookie, mais Heineke pourrait battre le rookie. Hein. Si je suis Heineke, j'irais là parce que c'est pas comme si tu peux pas gagner le starting position. Ils ont still personne, sauf que Heineke va là ou qu'il va pas là. Les Falcons sont mudded. Heineke, pour moi, ce qu'il a fait, rendre des receveurs no-name à certains jeux. Yo! À qui a lancé des belles balles comme ça? Dis-moi un nom. McLaurin et Van Noy. McLaurin, c'est ça, exact. Il y avait déjà un bon rookie dans Dodson. Vous savez, leur receiver corps n'est pas comme élite, mais ils ont des weapons. Ils ont des weapons. Ok. All right. Bon, on va passer à un receveur. Là, il y a eu un petit upset. Jerry Jeudy, DeAndre Hopkins et Juju Smith étaient en discussion pour aller aux Patriots. Juju était avec les Patriots, là. Il s'est fait signer. Oh, ouais, c'est ça, mais. Les Patriots ont signé Juju over les trois. Pourquoi? Les deux autres fallait trade pour. Juju était free agent. Mais je pense qu'il pourrait quand même faire un trade pour un des deux autres là. Bro, Juju pour moi, out of the three, c'est le moins bon. Ouais. Oui. Donc comment tu dis dans ta tête prendre Juju over DeAndre Hopkins? Parce que t'as pas besoin de trade pour lui. Ils l'ont pas pris over. Ils ont dit qu'est-ce que l'Arizona me demande pour avoir Hopkins? C'est trop expensive. So c'est ça. First of all, Diop, ça va être trop cher, bro. Tu vas devoir donner deux first round ou un first round, un second round, puis un joueur pour Diop. Ça va être quelque chose de fou, là. Je comprends. Mais, OK, puis Jeudy aussi. Mais Jeudy, Diop, je peux comprendre. Mais Jeudy aussi, je suis pas sûr que ce qu'il demande au patron devait être tant exagéré que ça. Non, mais c'est style un trade. C'est style un trade. C'est un trade, puis après ça, tu dois le payer. Puis, comme... Je vous dis, vu que c'est un style un jeune joueur, s'il a une bonne saison, il a encore son rookie contract, s'il a une bonne saison, il pourrait venir te demander genre un max deal. Tandis que Juju, il gagne. Ouais, ouais. Lui sait que son value. C'est le max qu'il peut avoir. Exactement. Là. Il a pris 3 ans pour 33 millions. Ouais, c'est ça, ouais. Lui, c'est le max qu'il peut avoir là. Ok, là on va parler avec les trash de la ligue. On va commencer avec Baker Mayfield. Donc là, c'est confirmé. On avait dit que si les. Buffs du crétin, ils allaient prendre Baker Mayfield. Et comme de fait, ils ont fait du crétin, ils ont été prendre Baker Mayfield. Donc, on peut dire que les Bucks, c'est terminé, right? Là, c'est une saison... Non. Moi, oui. Moi, je pense pas. Pour de vrai, la division est trash. Comme, c'est pas terminé quand ta division est juste ultra pourrie, là. Baker Mayfield! Les Saints avec Derek Carr sont beaucoup meilleurs que les Bucks. Regarde. Avec Baker Mayfield. Ouais. Tu sais comment c'est pas vrai? C'est parce que j'ai vu ça, les betting odds. Je vais montrer. Les betting odds pour que les Saints se rendent en playoff, faut gagner championship. Ça, c'est gagné.
comment, je pense que c'est gagner le Super Bowl. C'est sûr que les Saints ne vont pas gagner le Super Bowl. Mais comment on te dit que tu es allé chercher un meilleur quarterback et mm-hmm. tes betting odds seront du pire? Makes no sense. Merci. C'est à quel point les gens savent que tellement Derek Carr and that guy, vaut mm-hmm. mieux que tu sois avec Baker Mayfield. Non. Ce que je veux dire, c'est que Derek Carr, ce que Derek Carr va amener aux Saints, c'est, pour moi, c'est équivalent à ce que Baker Mayfield va amener au box. Ce rendu là, pour gagner la division, c'est bail de coin toss. Là. That's what I see it, genre. C'est, les gars peuvent se rendre au field, au milieu du field. Ok, pile ou face. Passe, ok, t'as gagné la division. c'est tout, là. C'est, ou sinon, c'est juste qui a le moins d'injured. Ouais, mais je vois quand même Derek Carr avoir 9 wins, puis Baker Mayfield juste en avoir 6. Facilement. Ouais. Pas les box, en fait. Pas Baker Mayfield, puis les... Facilement. Parce que je suis... Non, mais je suis... Je pense que c'est les Saints... Les Bucks, pour moi, ils ont au moins 8 wins. Moins 8 wins avec Baker Mayfield. T'es gentil, man. T'as perdu Fournette, t'as plus de running game. Pas grave, Vaughn. Fournette a jamais été un running game. Vaughn jouait... T'as un bloqueur. Vaughn jouait mieux à la fin de la saison. Puis, comme t'as dit tantôt, un running back, tu peux draft un running... Young legs yeah. win. Fournette, pour moi, c'était juste un gars qui doit bloquer, puis un petit genre... sure hands pour un quick... comment on dit ça? Pour... quand le QB a plus d'options, tu dis souvent. Dump. Ouais, dump. Ouais. Bon, un sure hands pour t'as un dump. T'as style ton receiving core. T'as O-line. T'avais une bonne O-line, mais qui était injured l'année passée. Là, ils sont back. Exact. T'as style la défense. Mike Evans fait une coupe de... Mais, fait deux ans que... Ouais, mais il finit toujours à 1000 verges. Ouais. Comme c'est... Mais t'as Baker Mayfield, encore une fois. Non, mais Godfrey. Il y a le plus de weapons qu'il a jamais eu. Puis l'affaire, c'est vraiment... L'affaire, c'est que les gens sont comme, OK, Baker Mayfield n'est pas bon, je suis d'accord, mais il est capable d'être genre comme... Efficient. Pas efficient, juste average, genre. Comme, yeah. Je ne dis pas qu'il va gagner toutes ses games, mais il est capable d'avoir genre 7 wins, genre, normal. L'autre partner de Baker, les gens parlent de lui comme si, oh, tout d'un coup, il va upgrade les Saints. C'est ça la différence. Moi, il upgrade pas. C'est le talk behind both of them. Ouais, c'est ça. Les gens sont comme, oh, Baker arrive, Baker upgrade. Non. C'est comme Garoppolo, il n'y a rien. C'est 4,25 sous pour $1. Baker, il amène rien. Là. Pour moi, il upgrade zéro les Saints. Vous avez eu combien? 7-10 l'année passée sans Michael Thomas? Ouais. Ouais. Michael Thomas, Derek Carr, facilement vous pouvez avoir deux wins de plus. Derek Carr avec Devante Adams, bro. Puis il a fait qu'est-ce qu'il avait à faire pareil, là. Il a fait des verges. Et paquet de turnovers. James Winston avait 50 TDs, regarde. 50 INTs. Non, regarde, tu vois, c'est quoi le pire avec Derek Carr? Parce que James Winston, il lance ses picks, Ok. Derek Carr va drive le field devant l'end zone, c'est là qu'il va lancer son interception. Ouais, c'est quoi qui est pire? Je préfère le gars qui lance un pick juste pour lancer un pick que le gars que quand j'ai besoin des points, c'est là que tu vas lancer le pick. Derek Carr, il va être en train de gagner la game par 21 points. Il va choquer. Puis il va commencer à lancer plein de tétés pour que l'autre équipe revienne. Ouais, comme, ça, j'avais dit à Laurent. Là. J'ai pas besoin de gars comme ça. Là. Oui, puis garde, tout ce que vous dites, c'est vrai, guys. Mais. On va pas changer, on va faire comme si que Mayfield est mieux que ça. Mayfield sera même pas au milieu du terrain. Moi, je suis réaliste. Baker Mayfield n'est pas capable de lancer. Point. Voilà, merci. C'est quoi? Les Falcons gagnent la division. Merde. Oui. C'est tout. Fini avec ça. Facts. Avec le rookie. C'est pas un texte. C'est juste facts. Avec le rookie. I don't mind. C'est une décision qu'il faut juste oublier. On peut juste plus en parler. C'est vraiment ça. C'est qui? C'est Falcons? Falcons, Panthers, Saints. C'est pour ça que je te dis que comme je suis pas genre, oh, les Saints vont gagner la division. C'est qui qui des Panthers? Oublie! Ça sert à rien. On n'en parle pas. On parle pas de cette division. Je sais pas c'est qui voudrait. On parle pas. Comme n'importe. Toutes les prochaines semaines, quand on va parler de NFL, ces quatre teams-là, on fait juste pas en parler. C'est une division que tu oublies. Ok, good. Passe à autre chose. Alright, et pour le meilleur pour la fin. Mon boy? Mon boy! I've been telling you guys! Excuse me, boy. I've been telling you! Zeke! Nigga, sorry. He's been trash! He's been trash for so long! Et les Cowboys ont enfin compris après 7 saisons. 7? 7 saisons! Mais il était pas trash pendant 7 saisons. Ça fait 2 ans qu'il est trash. Ça fait 2 ans qu'il est. Oh, guys, arrêtez de me niaiser. Ça fait 5 ans qu'il est trash. Non. T'abuses. Il a fait 2 grosses saisons. C'est Andy Dalton, le QB. Oh, Lord! Andy Dalton, oh, Lord! Yo, bon, ça
il a fait deux saisons magnifiques. Ouais. La troisième saison, je pense qu'il s'est blessé. Okay. He came back, it was never the same. C'est pas de sa faute, but it was never the same. Tu veux dire qu'il était plus genre le top, il était à la baisse, mais c'était still des bonnes saisons de running back. Pardon. Oui. Pour moi, deux ans après. Et moi, ce qui m'a énervé, c'est le média autour de Zeke. Quand il est revenu, on parle de lui comme s'il était encore un top running back. Arrêté. Puis on a donné un cob. Ouais, puis là c'était dead. C'est dead. Merci. C'est depuis que c'est devenu un two-headed monster, les Cowboys, que Zeke est... Non, c'était rendu deux crétins. Non, c'est Tony Pollard Show. Non, c'est devenu un two-headed monster parce que Zeke était pas capable d'être un beast by himself. C'est pour ça que Pollard a pu. Parce que Pollard, je m'en rappelle, son rookie year, mm-hmm. il a montré qu'il pouvait jouer. Mais à ce point-là, Zeke jouait bien. Ouais. So, il touchait pas le terrain. Ouais. Mais avec les saisons, Zeke a commencé à dire qu'il a perdu d'un step. Puis c'est là que tu as vu Pollard. Il a pris du poids. Ouais, Pollard a pris de l'espace dans le backfield. Ah, c'était le temps. Là. Il est rendu à quoi? 27, 28? Là, les running backs, c'est that oui, time. Mais... On lui a donné un cob quand il fallait pas qu'on lui donne un cob. Ah, ça, c'est Jerry Jones. C'est le problème avec Jerry Jones. C'est pas ton problème à toi. Oui. Là, ils l'ont release. Ils vont quand même devoir le payer le money qu'ils lui ont garanti, whatever, qu'il reste. Ouais. Puis that's it, là. C'est... Ah, mais c'est fini après ça. Mais ouais, vous devrez aller au box. Box. Le box doit aller new, là. New blood, comme... yeah. Tu dois prendre un running back qui est capable de carry, là, surtout pour... Packers. N'importe quel running back en haut de l'âge de 26-27 ans, là. Mm-hmm. Ça commence à être tough. Red flags. Ça commence à être chaud. Red flags. Ça dépend. Si t'as pas joué beaucoup, c'est sûr. C'est faut que tu sois un gars qui, dès que rookie year, tu courais comme 400 fois. Ouais, mais c'est ça. Si t'as eu tout le workload pendant genre 6 saisons, puis là, t'es rendu à 26 ans, 27 ans, mon gars, ça commence à être tough, là. Ouais, comme Zeke. Tes hips sont plus stiff. Comme Zeke, Derrick Henry. Je veux pas dire que c'est un power back, mais il peut still être le gars qui va chercher genre le 3 verges pour faire le touchdown. C'est vrai. Même. So, il peut être utile, mais c'est plus un main back. Là. C'est ça, plus, exact. Bon, je suis content qu'on a... On a non, ça fait longtemps qu'on le dit. Ouais, je sais, mais les gens chez eux là, qui pensaient que Zeke était encore une menace là. All right, done pour la NFL. Non, on n'est pas done. Oh, c'est parce que t'as envie de parler de ta team. Parce que ta team, ils ont... Yo, bro! Ah! Yo, bro, les Eagles, OK? Ils font des affaires. Tout le monde bouge. Tout le monde prend du cop. Tout le monde bouge, man. Vous avez réussi à regarder ce lead, though. Ouais. Il est resté... Par la peau des fesses. Ouais, parce que les Eagles, on dirait, voulaient pas le payer. Il a dit, ben yo, I'm out. Et là, les gars ont dit... Ils ont vu qu'ils ont perdu plusieurs stories. Ils ont dit, quête. OK, non, tu sais quoi? On va checker quelqu'un, au moins un vétéran. Laurent, dis-moi combien de starters en défense vous avez perdu? 4? On a perdu un D-line. Je pense que c'est 4. Ashley, ça allait être 5, mais il restait finalement. On a perdu un backer. Un safety. On a perdu... Non, on a perdu beaucoup de joueurs clés. Vous avez perdu un O-line, là. Ouais. Sanders est parti, mais vous avez signé. Qui vous avez signé? Penny de Seattle, le running back. Rashad Penny, exactement. Yeah, last chance you, ça n'a pas marché, hein? Yo, bro. Comment last chance you? Ben, c'était notre dernière chance. Peut-être. Yo, bro, comment tout part? On a créé une team qui a une bonne chimie ensemble, qui a bring value à chaque joueur. Tu sais comment, voici dans quelle génération on est? On est génération money. Money talks, my guy. Les gars, on dit, t'as pas me payer? Check it, please. Puis c'est correct. But, il faut que les gars comprennent que là où ils sont partis, ils ne chasent pas le ring. Ouais, puis ça, ouais, c'est vrai. Puis ça va pas être aussi... ça va pas être... comme vous allez pas nécessairement avoir les stats que vous avez eu avec impossible. Les Eagles. Mmh. Impossible. On était solide défensivement, puis... Parce que je sais qu'il y a des gars... Il y a des gars qui ont eu double digit sacks parce que le front est tellement boosté au complet. Mmh. Exactement. Tout le monde avait des one-on-one, mais ça sera pas comme ça dans l'autre team. Là. Quand on va te demander d'être deux guys... Hey. Tu vas être capable quand tu vas avoir un double team? Hey. Nos DB, ils sont partis, le CT qui est parti. Tu penses que les pics vont être aussi faciles? Ah, tu vas avoir des mangos à cause que ta D-line faisait toute la job? Non, les gars ont parti pour le Cobb. It is what it is. La nouvelle génération dans laquelle on est, c'est juste que je trouve plate pour mes Eagles. Même que là, il y avait Kelsey qui pensait passer à la retraite. Je pense qu'on l'a convaincu. Non, il est resté une mais ouais, on a, saison, c'est ça. On, ouais. On l'a convaincu. Moi, je pense qu'on l'a convaincu. On a dit, yo bro, si tu pars, on n'a rien de bon. You need to stay. Déjà que vous avez perdu en online. C'est ça. You need to stay. Puis il dit, OK, je vais faire l'effort.
Parce que le gars commence à être vieux, là. Ah, il a déjà gagné le Super Bowl, il vient de perdre le Super Bowl. Tu comprends? Lui, il était prêt à partir. Ouais, je vais te voir. Il est sûrement en train de se faire... Ouais, je pense qu'il avait gagné, il serait bien parti. Il est sûrement en train de se faire insulter par son frère. Oh, All c'est kinds. Sûr, comme... Qu'est-ce que tu fais? Ouais. T'as deux petites, t'as une femme, t'es rendu vieux, t'es pas... Tu joues pas une position légère, là? Non, c'est ça, mais... Ouais, maintenant, les Eagles, en voyant comment le off-season avance, là... Ça va pas... Non. Ça va pas bien. Mais tu vois, le fait qu'ils ont réussi à garder Slay, parce que s'ils perdent Slay, dans ma tête, j'allais devoir draft un corner cash. Ouais. Maintenant, je vais me dire qu'ils peuvent draft. Sûrement, ils vont aller pour un defensive line. Ouais, obligé. Ou peut-être un linebacker, mais... Qu'est-ce que tu penses de la team ayant perdu, comme on dirait presque la moitié... En tout cas, le tiers de la défense est out. Je pense que ça va pas aller bien. Je comprends pourquoi aussi ils ont laissé partir le un peu défensif parce qu'il y a des rookies, le D-line là, de Georgia, le big boy là, Davis. Ouais, il était blessé. Il était blessé. Je pense qu'ils espèrent que lui va step up pour remplacer le D-line qui est parti. Les backers n'ont jamais été extraordinaires. Ouais. So, encore une fois, je pense pas que c'est plus le safety, c'est plus les safety qui... Mais qu'est-ce qui est bon avec vous, c'est... Les Saints sont tellement caves. Vous avez le pick des Saints. Oui. Et fucking haut parce qu'on était trash. Oui. Quand tu donnes des pics, quand tu sais que t'es trash. Mais les Saints sont pas logiques. Non, en tout cas, les Saints là sont bizarres. C'est vraiment bizarre. Ouais. So, vous avez le pic des Saints, ouais. Vous avez votre propre pic, vous avez deux first round pick. Si les gars réussissent ces deux first round pick là, vous êtes still good. Un DB, un backer. Le D-line, malheureusement, je compte sur Red Dick d'avoir une meilleure saison qu'il y a eu l'année passée. Et je compte sur Davis de step up puis travailler sa flexibilité pour éviter les injuries. That's it. Moi, j'irais avec. J'irais peut-être avec un O-line. Oui, peut-être au line, t'as raison. Peut-être au line, vu que les gars vont prendre ça à 8 à eux. Ouais. Puis, t'as raison. Quelqu'un puis, en défense, ouais. Je prendrais un over le linebacker, je prendrais un O-line. Ouais, donc cash. Over le linebacker, O-line. Facts. OK. NBA. Mm. Oh, right. La NBA. Je vais laisser host this one. Parce que la NBA, j'ai pas vraiment écouté beaucoup. J'ai plus regardé les stats de mes Lakers. Et puis, des Clippers aussi un peu. J'ai regardé aussi pour les bets. Rien ne va plus dans les bets. Oh non, moi, j'ai fait de l'argent, mon gars, cette semaine. Oh, toi, t'es en a streak. Moi, j'ai fait de l'argent. T'es en a streak. Ouais, ça va pas très bien. OK, so, vas-y. NBA, le commissioner, il veut ajouter... Mais je pense parce que les gens chialent, que, vu qu'il y a plein de joueurs qui manquent des games, rest des games. Je pense qu'ils veulent mettre un nombre fixe. Ben, faut que tu joues un tel nombre de games pour pouvoir gagner, genre, MVP... Defensive Player of the Year, être dans le All-NBA Team. Yeah. Parce que comme il y a des gars que comme ils ont été blessés, oui, tu as donné de bonnes stats, mais tu n'as pas nécessairement mis le body of work toute la saison. Sauf c'est chiant pour d'autres gars. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Hey, je veux commencer? Je suis d'accord. Yo, c'est le temps de revenir à un bon vieux basketball. Le rest day, là, je veux dire, le Kawhi Generation, get the shit out of here. Non, je suis d'accord. On paye pour pouvoir jouer et vous manquez le tiers de la saison pour des excuses. On veut bet, on va sur votre profile, injured foot. Injured this, injured that. On sait jamais si ça allait jouer pour de vrai. Yo, des fois, c'est même pas vraiment injured. Game time decision. Game time. Yo! Des fois, c'est même pas blessé. Il veut juste pas jouer aujourd'hui parce qu'il joue demain. Donc. Ah, puis il se donne des excuses. Comme si, t'imagines, nous, comme toi, t'es payé 30 millions par année. Il y en a qui sont payés 40 millions par année. Ouais. Mais tu dis à ton boss, ah, oh, aujourd'hui, ça me tente pas de jouer. T'imagines, nous là, on. Tu peux pas faire ça. Nous, on doit aller travailler. Every day. Lundi au vendredi. I got a sore back. Bro, come to work. Come in. To work, bro. Come to work. Yo, t'es trop payé pour agir comme ça. Et même que je pense qu'il n'a même pas été assez méchant. Il aurait dû s'asseoir avec le syndicat de la NBA et leur dire... Mais c'est pas encore, ils vont faire ça durant... Ils vont pas parler de ça durant l'off-season. Je veux qu'il rajoute aussi, si je joue pas un minimum 70 games, c'est faire de guaranteed, je veux que ça rentre dans la NBA aussi. Non, ça c'est impossible. Non, parce qu'on est rendu là. Non, mais pour derrière, moi, je comprends, parce que si t'es blessé, je suis d'accord. Si c'est une vraie blessure. Mais c'est une vraie blessure. L'affaire, c'est que maintenant, il y a des gars qui sont vraiment injured, puis il y a d'autres que tu sais que c'est fake. Exact. Il y en a qui, ils ont rien, là, comme ils peuvent jouer, mais ils décident de pas jouer la game. Non. Donc, c'est tough, là, comme, tu sais, je vais te donner l'exemple live de comme Kyrie, genre. Il est arrivé à Dallas, de ce que je cherche, Kyrie avait pas grand-chose. Donc, tu ne joues pas, il joue pas non plus. OK, pourquoi tu joues pas, genre? Exactement. Comme tu es supposé carry la team pendant que l'autre est injured,
oh non, comme tu, des fois ils savent qu'ils vont déjà perdre, puis ils jouent ça, ah, tu sais quoi, ça a rien de jouer ces games-là. Là, ils, tandis qu'ils arrivent pour jouer contre les Lakers, c'est une game qui est importante pour le... Pour la saison, pour faire le playoff. Ouais. Il est back. Les gars sont back. Drops 40. C'est d'accord de même, là, c'est comme, bro, arrête. T'aurais pu jouer les autres games avant aussi. Je suis d'accord avec le fait que tu mets un minimum sur les awards. Mm-hmm. Ça devait être cash déjà, déjà in, que si le gars il joue pas minimum genre 62 games, tu peux pas être dans aucun award. Sauf que du monde comme Kawhi, c'est calice. S'il gagne MVP ou pas, il va avoir plein de joueurs qui sont comme, ah, ok, je gagne pas Defensive Player of the Year, I don't give a fuck, je vais still miss the game. Donc, faut que ça soit intégré d'une autre manière que les awards. Même si les awards, t'as besoin d'avoir un minimum de games de jouer. Mais c'est ça qui va arriver. Si tu l'intègres pas d'une autre manière plus efficace, les gars vont still miss des games parce qu'ils vont pas care pour les awards. Mais il y a des gars qui sont care pour MVP. Il y en a que oui, mais il y en a beaucoup que non aussi. Ouais, parce qu'il y a plein de joueurs que leur but, c'est pas d'avoir un legacy. Genre, si t'as pas d'MVP... C'est de l'argent. Ouais, si t'as pas d'MVP, bro... Comme, les joueurs d'hockey, là, jouent autant de games que vous. Puis tu vois pas les gars rater une game pour dire « I'm gonna rest » parce que ça me tente pas de jouer aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y aura des conséquences. Ils vont te couper. Même chose au soccer. Oui. Au soccer, mon gars, ils peuvent jouer 3 games par semaine. Non, mais l'affaire au basket, c'est les moves, comme le fait toujours de sauter et shit. Non, je prends pas cette excuse-là. Non, ce que je veux dire, c'est... Moi, je regarde avec des yeux. Regarde Zion, on va dire. Ouais. Zion, OK? C'est ce qu'il fait, comme ce qu'il peut faire, c'est comme, c'est wow. Mais sous son corps, comme juste de, ça détruit son corps, genre comme son corps est pas capable. On l'a dit, lose weight. Ça n'a même pas rapport avec ça. Parce que je peux me faire plaquer dans la bande, dans le dos, puis je vais still être là la game d'après. C'est pas ça que j'ai dit. Là, tu t'es fait plaquer. Au basket, un mouvement juste comme un mouvement basique, genre que tu dois faire, juste jump, c'est pas bon. Comme, c'est pas bon pour toi. T'as raison. Un mouvement basique du sport, c'est pas bon pour toi, genre. Mais t'es payé 40 millions. Ça, je suis d'accord, comme qu'ils doivent jouer. Ce que je te dis, c'est que à la fin de la journée, il y a les gars qui veulent jouer pour de vrai, ils vont jouer. Mais l'affaire de, comme, c'est sûr, il y a des joueurs qu'ils pensent juste, comme, ouais, c'est ça. Il sait que son corps est off, genre. Ouais. Il sait qu'il peut pas jouer 80 games. Pour fact, c'est pour ça qu'il prend le edge. Mais lui, il veut jouer les playoffs, il veut se rendre en final. Ouais. So, il dit, tu sais quoi, mon corps est probablement capable de jouer 80 games dans la saison. So, si je joue 40 games dans la saison, non, si je joue, en total, s'il peut jouer 80 games, il dit, je joue 40 games dans la saison, je garde le reste pour les playoffs. C'est une mentalité pas bonne. Point final. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, t'es payé des millions pour d'argent. Comme ton salaire à moi aussi. I don't care. Non, mais. Care. Ok, mais Kawhi, l'affaire, c'est lui, il a dit, je peux gagner un ring comme ça. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est ça le problème. Il y a pas juste le basketball dans la vie. Comme il y a plein d'autres sports que les gars jouent plus, sinon autant que la NBA. Les gars ne restent pas. Point. Comme non, mais, vos excuses de rest, puis je peux pas jouer 82 games, I don't give a fuck. Mais le rest, c'est pas que... Moi, je parle down pour le rest, mais c'est... Comme il y a le football, les gens peuvent pas jouer 17 games, OK? Ouais. Ça, c'est vraiment... Un sport de contact. C'est un sport de contact. Oui, oui. Comme c'est top sur le corps. Le hockey, c'est quoi? Non, mais je viens à ça. C'est un sport de contact. C'est juste que au basket, c'est un score... C'est le sport. Ce que tu fais, c'est comme... Comment, c'est comme si tu as une maladie comme dégénérative, genre. Plus tu joues, comme au début, c'est comme ton élévation. Au début, tu es super haut, genre. Mais à force de sauter, emmener ton genou est ton juste... Ton genou, hanf, ses chevilles, c'est l'articulation comme taille, genre. Je comprends. Mais c'est la même chose dans tous les autres sports. Regarde, pas autant. C'est la même chose dans tous les autres sports. Puis c'est pour ça que tu es payé des millions pour avoir des gens qui s'occupent de ces blessures-là, qui s'occupent de ton corps. C'est vrai. Les gars, prends pas... Regarde toutes les GOATs. Les GOATs sont pas GOATs parce qu'ils sont GOATs. Les gars jouaient, ils ont des gens à la maison qui cook, qui s'occupent de leur corps 24 sur 24. Les gars sont rendus... Les gars, regarde, ils sont rendus baby, genre. Exactement. Ouais. Les gars vont jouer une game, demain ils sont au strip club. Oh mon cher, je suis fatigué. Pourquoi t'es au strip club? C'est ça, je te dis, les gens qui restent pour des détails comme ça, je suis pas d'accord avec eux. C'est pour ça, l'inverse, il y a des gars qui sont vraiment injury prone. Oui, il y a des gars qui comme Anthony Davis. Injury prone as fuck. Yeah. So, si lui, il me dirait Fred du Kawhi, je serais d'accord avec lui parce que
D'ailleurs, il devrait faire ça parce que lui, il ne peut pas jouer 82 games. Ça, je sais, for fact. Ouais. Anthony Davis ne peut pas jouer 82 games. Sauf si lui, je le vois, il manque des games. Oui, je vais le dire. S'il manque pour, juste pour manquer, ok. Mais je sais qu'il va se blesser. Yo, le gars fait juste tomber à terre. Personne n'a touché. Injured. Puis il est comme, ah. Injured. C'est vraiment puis, ça. Il y a des gars comme ça. Mais il y a d'autres gars que, comme tu sais, qu'ils ont, ils ont rien là. C'est, tu regardes. James Harden. Ouais. Kyrie Irving. Il manque une game. Yo, il n'y a rien. Je sais qu'il n'y a rien, genre. Des gars que, tu sais qui me dérange, c'est des All-Stars qui font ça. Pas des, des gars par rapport. Tu peux pas te permettre quand tu... Tu sais, des, all, permettre quand des All-Stars. Puis je suis d'accord avec Frank parce que t'es trop payé. Il y a des gars qui font ça dans différents sports. Comme tu as dit, nous on, nous, on se lève tous les matins, on va travailler. Même si on a mal au dos, mal aux genoux, mal aux pieds, mal aux côtes, m'en fous. Faut quand même aller travailler. Si j'avais, même chose pour eux. Si j'avais 50 millions, peut-être que j'irais pas travailler. 50 millions, mon gars. Yo, je te garantis, mon j'irais gars. J'irais pas travailler. T'aurais bande, mon gars. Y'aurait bande your life away. T'es juste un joueur à la fin de la journée, ton propriétaire, là. Guaranteed, non, parce que je suis plus qu'un joueur, bro. Je suis une corporation, man. Justement. Je suis une corporation, t'es un, bro. T'es un asset. T'es... Non, je suis pas un asset. Non, t'es un asset, le gros. Non, je suis une corporation, bro. Parce que le moment que, genre, yo, c'est comme si, au début, je commence un asset. Mm-hmm. Continuez deux secondes. At some point, je vais pas dire qu'il devient plus gros que la NBA, mais je deviens my own thing, genre, comme, je suis my own brand, là. OK? So, tu sais, les gars vont aller faire leur stuff avec Nike, Powerade, c'est comme si, c'est comme Jamorant. Jamorant, les gens disent, il est fucked up. Pourquoi il est fucked up? C'est parce que, ce qu'il a fait là, ça a crasé genre son image. Comme oui. Il a perdu des contrats, ouais, il a perdu des idées, il a tout perdu. So, ouais. Comme lui, il ne s'occupe pas bien de son brand et de sa corporation. Fax. So, t'as raison. Il y a des gars qui sont comme yo. J'ai déjà le cop. Ok, c'est ce qu'ils disent. Ok, je ne vais pas craser mon body, mais anyways. Mais anyway, regarde, c'est une conversation qui peut aller en long et large. C'est ça. C'est this what it is. Même. L'affaire du MVP, c'est que le début. Ouais, tu devrais jouer comme minimum. Au moins 60 games. 62. Tu comprends? Peut-être 20 games de blessure. Comme, c'est ça? 20 vacances, 20 jours de vacances. Non, ça c'est trop beau. 20 jours de vacances. Peut-être, je dirais, si t'as vraiment eu une blessure, comme, tu vois, les bad injury list, là, comme, faudrait qu'ils envoient la... OK, c'est quoi l'injury qu'il y a eu? OK, il y a vraiment un bail. Ouais. OK, lui, il peut être... Bon, si c'est des bails, t'as pris des rests comme load management. Non, ça compte. Ça, c'est journée non payée. Ça compte pas. Exactement. Mais ça, j'en avais déjà parlé. J'ai dit, faudrait qu'il y ait tout le temps un docteur neutre, check toutes les blessures pour dire, ouais, ça, c'est legit. Ça, c'est legit. Comme celui de la NFL. Comme celui de la NFL qui dit c'est une commotion, c'est pas une commotion. T'es dehors. Bon, t'as vu? Lui, ce gars-là, il n'y a plus de job. Là. Exactement. Lui, il est terminé. Là. Lui, là, il était NFL. Il est rendu à NCA. Même peut-être du midget. Là. Puis oui, mon gars. T'es en prochain sujet, c'est Lillard. Yeah. Lillard, y a des gens qui disent qu'ils essaient de trouver des excuses. Il a dit que le championship mentality... mais pas championship mentality, c'est... Maintenant, c'est championship culture. C'est comme si c'est un chip ou rien, genre. Ouais. Comme si t'as fait plein d'All-Star, t'as fini des All-NBA team. Si t'as pas gagné le championship, c'est comme si you ain't shit. Yeah. Lui, il dit que j'ai eu des bonnes saisons. Oui, je me suis jamais rendu vraiment comme loin en playoff. J'ai gagné des séries, mais jamais été vraiment un contender pour compete. Il a déjà fini, je pense, premier ou deuxième dans l'Ouest. Je pense une fois. Puis les gens vont lui dire, oh, pourquoi tu restes à Portland, tu vas nulle part, tu essaies pas de gagner, genre, comme lui il dit, j'essaie de gagner, genre, je veux gagner à Portland, ouais. First of all, c'est juste que, yo, si je gagne pas à the end of the day, c'est pas comme si ça l'a fait du monde, c'est pas comme si j'étais pas un top player dans ma génération, là. Je suis d'accord avec lui, parce que il went on, puis il a dit aussi que la mentalité de la NBA, il aimait pas ça. Ouais, ça commence à ça fait 2-3 ans qu'il dit... off avec le basket à cause de ça. Exact. Ouais. Je suis d'accord avec lui parce qu'il a raison, parce que les gars veulent non seulement chase le money, mais ils veulent juste chase un ring. Il n'y a aucune loyauté. Tu vois pas des gars qui vont rester 10 ans dans la même team, puis que même si t'en gagnes un ou deux dans 10 ans, comme c'est fucking bon gagner là, un chip en deux chips en 10 ans là, ou un chip en 10 ans. Yeah. Il n'y a pas beaucoup de teams qui peuvent gagner. Il y a 31 teams qui peuvent gagner le chip. Là, comme 30 ouais, il y en a peut-être 10. So, Golden State, ça va pas réarriver dans les 20 prochaines années. Il y a 22 là. Autres teams qui sont juste là pour être là. Faire du cop, c'est tout. Ben, regarde, ça crée même temps peut-être monter dans la liste. Et puis les KD qui chasent tout le temps des rings, là, comme... C'est vraiment ça, là. Je suis d'accord, man. C'est pas nice.
suis d'accord. Puis malheureusement, c'est pas qui a créé ça. On dit LeBron. I don't know. I don't know. Il a peut-être participé. Il a participé à ça. Mais LeBron, je peux dire qu'il est revenu. Il retourne à Cleveland. Il a gagné son ring. Mais c'est ça l'affaire. Tu comprends? Quand tu fais ça, puis tout, ils vont tous le dire. Il y a un ring qui est plus. Meaningful que d'autres. Meaningful. Puis, lui à Giannis, moi je le trouve meaningful. Oh, lui à Giannis, il est incroyable. Non, mais ce que je veux dire, c'est lui, ben, lui est resté avec la team qu'il a draft, il est allé nulle part. Non, mais ouais. Avec la team qu'il y avait aussi, comme il n'y avait pas comme trois autres All-Stars sur la team. Là. Selon lui, Middleton et Holiday. Ils ne sont jamais dans le film. Il y avait Holiday. Non. Je pense que oui. Peut-être, je ne sais pas pour Middleton, mais. Holiday for sure. Non. Holiday for sure. Yo, tout le monde rentre dans le film dans l'NBA. C'est vraiment ça. En tout cas, mais pour moi, c'est, tu regardes Curry, il va te dire, yo, mon meilleur ring. Comme il a dit, c'est soit le premier, soit le dernier qu'il a eu. C'est ça qu'il dit, là. Ouais. C'est pas, avec KD, c'est pas, parce que là, ils savent qu'ils ont pris le easy way out. Yo. KD, il y a juste un ring, ça veut rien dire. Mais le moment que, bon. Même si il gagne avec Phoenix, je pense pas que les gens vont se dire, ben yo, t'es allé avec une des meilleures teams. T'es still a snake. Yes, absolument. Mais tu sais, LeBron va dire c'est Cleveland. Ouais. D-Wade va dire c'est la ring que j'ai gagnée avant que LeBron arrive, quand il était à Miami. Et avant Shaq. Moi, ouais. Ça, il était avec Shaq. C'est avec Shaq, mais Shaq. Toutes les rings de Golden State avant que KD arrive. Un seul avant KD. Ouais. C'est, les gars vont dire, genre, le ring que j'ai gagné. Comme, tu sais, on va dire Nowitzki là, avec Dallas. Il est allé en finale deux fois, mais. Il a gagné une fois, ça vaut beaucoup là. Ça vaut 4 rings pour certaines personnes. Ouais, mais aussi t'as grind, t'es dans une vieille team, t'es dans un petit market. Ouais. Et chaque année t'as du build, te rendre en finale, gagner en finale. Et c'est tough là. Yeah, c'est très tough. Tu gagnes un ring, puis c'est toi qui étais le gars qui a fait gagner le ring. T'es 7 là. Avoir comme 4 rings, c'est pas. Ça dépend de son comment tes 4 rings. Comme Draymond Green, oui, t'étais efficace. T'étais dans la team. Les deux premiers, je peux dire que t'as fait vraiment beaucoup de choses comme pour Iguodala, la team. T'as un ring. Comme Iguodala, t'as un ring. Ouais. Quand t'étais un bon joueur, t'as un bon 6 rings. Non, il y a des gars qui ont 4 rings, puis ça veut rien dire. T'as 4 rings, puis il y en a deux ou 3 qui veulent rien dire. Ouais, exact. Mais non, c'est vrai que ça. Puis je peux voir les autres partir à cause de ça. Parce que là, dit, oh, c'est plus le fun. Il va se concentrer sur son rap career. Non, mais en même temps, ce que j'irais contre Lillard, c'est. Oui, tu veux gagner, mais en même temps. Tu vois, ta team fait des stupid decisions, puis tu mets pas de pression sur ta team c'est pour vrai. Gagner, genre. C'est comme, ton meilleur joueur avec toi, c'était McCollum, ils l'ont trade. Ok, je suis un peu d'accord. Nurkic. Nurkic, j'ai been off. Comme, yo, si t'es pas bon, get the fuck out. C'est vraiment ça. T'as changé McCollum, t'as allé chercher qui? Jeremy Grant, tu joues Josh Hart, puis après ça, t'as trade. T'as Anthony Simon, un rookie qui veut juste, ben, c'est pas un rookie, mais il fait juste jack des... Moi tout seul, je suis capable de checker 71 points. J'ai pas besoin de scorer, j'ai besoin de defensive help. Yes. Puis j'ai besoin de rebounding guy. Exactement. Comme tu sais, qu'est-ce que j'ai besoin? So Lillard, il dit ça, mais en même temps, est-ce que tu mets vraiment la pression sur tes honneurs? Mets la pression sur la team. Là. Les gars, ils essayent pas vraiment de gagner. Rendu là, tu as raison, il devrait prendre un rôle de aussi un peu de GM. Ouais, c'est ça. Voici ce que j'ai besoin. Parce que Portland, pour moi, c'est une team. Quand je te dis, il y a juste 10 teams qui essaient de gagner. Portland, ils veulent juste être relevant. Oui, là, ils ont un All-Star super scorer. Vend des billets, les stats sont remplis. Pour ça que dans son entrevue, il aurait dû continuer et dire comme j'ai besoin de si, puis ouais, exact. ça, puis dire owner comme dans l'interview. Dire, non, mais ça, je pense que tu dis pas ça en public, bro. Les gens vont te dis. Ton owner va pas aimer ça, mais comme à un moment donné. Ben, tu peux aller le voir straight up. Comme lui, comme tu dis, c'est une corporation. Ouais, oui, il va dire quelque chose. Oui, ça va mal paraître avec les GM, mais à la fin de la journée. Mais Lillard, il essaie toujours de bien paraître. Ça. C'est vrai. C'est pas un gars qui... C'est pas Kyrie, là. Kyrie aurait been l'organisation. J'ai une autre question que j'avais pas écrite, je viens de remarquer, mais... Vas-y. Qu'est-ce que vous pensez comment le sport betting, parce que Kyrie a eu un rant, comment le sport betting a comme gâché une version du basket? Il y a plein de gens qui n'écoutent pas nécessairement le basket, puis ils parient sur la game, les gars vont à la game, commencent à emmerder les joueurs parce que le joueur fait pas les stats. Puis ça gâche genre l'ambiance, ça gâche l'expérience pour les joueurs, puis même d'autres gars. Comme il y a plaquette Karen qui sont sur Twitter, mon gars. Ils sont là, puis ils sont fire. Même pas sur Twitter, à la game. Là. Front court. Ils sont en train de dire, Karen, pourquoi tu joues pas comme ça, c'est pas grave de faire les points, pourquoi t'as pas 25 points, j'ai parié over. Puis Karen est comme, bro, je joue la game, j'essaie de gagner. Genre, yeah. comme,
Est-ce que ça l'a gâché? Je dis pas pour... Pour les fans du sport, non. Ça l'a augmenté le fan base. Je trouve que beaucoup plus de gens... c'est pas des fans, d'eau. Ils sont juste là pour leur cop. À la fin, les viewership, malheureusement, la NBA... Ouais. Pour la NBA, c'est mieux. C'est bon, ouais. Pour les joueurs, par contre... Yo, bro, à la fin de la journée, là... À la fin de la journée, why do you care about that? Si t'es un joueur? Oui. Ben, c'est des humains, là, comme... On te quitte dessus, mais... Bro, you're supposed to put that numbers. je voulais parler de ça à la fin de la saison. Mm-hmm. Mais là, vu qu'on est, on est dedans, on va en parler tout de suite. Je voulais reculer les front court. Qu'est-ce que vous pensez? C'est comme on enlèverait comme deux bancs dans le front court, donner plus d'espace aux joueurs. Parce que là, les fans sont vraiment comme... La ligne out est là. Puis ça fait partie du game. Je suis d'accord, mais, mais ça fait partie de l'expérience. Il y a du monde qui paye beaucoup d'argent pour être aussi proche que ça, mais je vais juste dire, on enlève deux rangées, on les recule un petit peu. Non, c'est too much. Non. Parce que c'est le seul sport, yo, t'es là. C'est comme si t'es là, t'es dans la game, bro. Walker, t'as une fucking bande devant toi. Check le soccer, il y a genre 5 mètres. Ouais. Ça dépend des terrains, là, parce qu'il y a des terrains olympiques, il y a une petite piste d'athlétisme avant que tu vas au terrain. Ouais, mais la plupart des stades Premier League, il y a genre 5 mètres entre le out et le premier banc de fans. Yes. Avec le bruit que tu as dans le stade, là, tu vas pas entendre Pino numéro 1 crier « Yo, fais-moi 25 points. » Ouais. Juste qu'il soit un petit peu plus loin, moi, je dis que ça pourrait changer parce qu'il y a trop de... C'est même pas pour que les fans te dérangent. C'est l'expérience pour que les fans qui sont là. C'est comme si yo, je vois une game, je suis front court, yo, si je mets mon pied sous le terrain, ils peuvent legit trip les joueurs. Sauf moi, parce qu'on a eu beaucoup d'altercations entre parents puis joueurs ou fans puis joueurs. Comme juste pour éliminer ça, moi j'enlèverais facilement deux rangées de bancs. Tu serais quand même front side, tu serais quand même là, juste un petit peu plus loin. Moi, c'est pas une mauvaise idée, mais je pense pas que ça va arriver. Parce que ça va pas arriver parce qu'ils font trop d'argent. Exactement, puis ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de la NBA. Ouais. Si ça avait ça avant, good, mais là c'est trop là. Même qu'il aurait dû faire comme dis-toi, après COVID. Dis-toi, j'enlèverais probablement plus la ligne où il y a les caméramans là, devant du panier. Parce que c'est dangereux. Que les fans sur le côté parce que... Rihanna peut actually embrasser LeBron James quand il sort du terrain. Ouais, mais eux, ils aiment ça aussi. Là, ça dépend qui est là. Ah, je suis d'accord, mais comme... Si c'est une star qui est là, ça leur dérange pas. Mais si c'est un rich par rapport qui vient le faire chier, ça leur dérange. Dylan Brooks, puis j'ai oublié son nom, là, j'ai un blanc de mémoire. Shannon Sharp. Là, comme, c'est inutile. Comme, c'est des affaires comme ça, c'est juste beef. Inutile. C'est un beef, mais... Je suis d'accord, mais c'est inutile. Comme, pour juste... limiter ça. Ça fait partie de la NBA. Bro. J'enlèverais un ou deux bancs. Écoute, front court. Je dis, it is what it is, mais juste retenir sur l'affaire du betting. Malheureusement, Carrie, ça fait partie du sport maintenant. Ça a augmenté la NBA, ça a augmenté tes views. Même plus de gens te connaissent à cause de ça. Parce que les gens sont entitled. Comme, oui, t'as décidé de bet. Vous devriez même moi, je dis pas, je suis rich, je suis comme le gars avec Est-ce que je vais aller est-ce que je vais aller le DM? Non, parce que je suis Twitter. Oui, j'ai le variable, mais je suis comme... Parce que t'as pas joué la game. À la fin de la journée, c'est pas toi qui joues la game. C'est comme si tu me dis, t'as parié qu'Harry fait 30 points. Ça a l'air facile qu'il fasse 30 points, mais c'est pas un guarantee. C'est pas everyday. Si tu joues basket, tu sais qu'il y a des journées, t'as shot 30 ouais, à c'est l'aise. Ça. Puis des journées, l'affaire est juste off. Puis, comme là, il joue avec Doncic. Je vais dire, yo, Doncic, j'ai surfer 50 points aujourd'hui. Je lui ai donné la balle, man. Ouais. C'est pas comme si on a gagné comme ça. Le but, c'est de win. Exact. Mais ça, les gens deviennent fous, là. Ils sont comme... Ouais. Non, mais malheureusement, ça va rester là. Puis Carrie doit accepter ça. Ouais. Mais Carrie est facile à trigger, lui. Oh, ben oui, ben oui. Parce que si tu regardes, là, je veux dire, c'est qui a souvent des altercations. Carrie, Russell Westbrook, Dylan Brooks. C'est vrai. Ça, là... C'est probablement genre la moitié de tous les gars qui ont eu des problèmes avec des fans. Des fans. So, toi, tu dis, enlever, reculer la ligne, c'est pas tellement nécessaire parce que c'est certains joueurs. Puis c'est des joueurs que, comme, dès que tu leur parles, ils sont sous répondre. Carrie, tu vas toujours voir des vidéos qu'il est en train de parler avec les parler gens. Avec des gars là. So, y a des gars qui vont juste pas occuper. Comme LeBron, j'ai déjà vu parler avec des fans, mais c'est genre, même lui va dire, c'est juste, c'est part of the game, c'est fun. Comme des fois,
un fan peut le mettre dans la game. Le fan dit quelque chose de fucked up, puis là, il est comme, t'es fou, puis là, tout de coup, il check 50 points. C'est vrai. So, mais Kyrie, puis Dylan Brooks, Russell Westbrook, ces gars-là sont faciles à trigger, puis eux, ils sont prêts, ils vont commencer à jouer avec le fan, puis là, ils sont plus dans la game. C'est vrai. Ah, j'avais rajouté une question. Joel Embiid. Ah oui, oui. Est-ce qu'il va être MVP ou non? C'est pas ça la question, c'est non, ouais, comment c'est tu lui donnes pas le MVP? Ah, excuse-moi. At this point, c'est pas. C'est le MVP. Si tu lui donnes pas, give me your reason. Yeah. La seule raison, c'est que les Nuggets sont first. La seule raison. C'est pas une raison parce que. Jokic met un petit peu moins de numbers. Parce que les 76ers ont une meilleure fiche que les Nuggets. Non, ils sont non, non, ils ont une meilleure fiche. Ils sont troisième, ils ont une meilleure fiche. Plus que l'Est est meilleur. Les top guys de l'Est sont meilleurs. Yeah. Ouais. C'est-à-dire, même la fiche, tu peux pas dire que t'es premier, mais c'est parce que t'es dans un weak-ass conference. Yeah. That's it. So, puis je trouve que Jokic, il fait ses triple double. Il y a des gens qui commencent à dire qu'il stade. Stat pad. Je pense que oui. Ouais, je pense que ouais. Je pense que c'est ça. Je pense s'il voit, il peut. Mais, la dernière game, c'est la première fois que j'ai vraiment vu. Il était pas proche des rebonds ni assist là. Puis à la fin, là, puis il devait faire des points pour gagner la game parce qu'il perdait. Puis le moment qu'ils ont pris le lead, passe, il a arrêté de shot. Passe. Puis ils ont gagné la game, mais il était vraiment sur passe, rebond, puis that's it. Je comprends. Mais comme dernièrement, un bid de 35 points, il fait ça dans son sleep. Chaque game en direct. Sans problème. Mm-hmm. Il joue en defense. Contrairement à Jokic. Ça dépend vraiment de ce que tu préfères, bro. Parce que, comme Nicky a dit, yo, Embiid a 10 points de plus par game que Jokic, mais il a 6 à 6 de moins par game que Jokic. So, it all depends de ce que tu préfères. La meilleure team avec le meilleur joueur ou la deuxième meilleure team avec le gars qui average un triple-double. Most every game, yeah. Comme, moi, ça va dépendre c'est qui va finir avec le plus de wins. That's all. Moi, je pense que même si Jokic finit avec le plus de wins, ça devrait être Embiid. Parce que l'année passée, il a gagné l'MVP en faisant ces affaires-là, mais il averageait 30 points. Puis il n'y avait personne dans sa team. Là, tu fais environ les mêmes stats, mais tu fais moins de points. You could go either way, dog. Moi, comme je te dis, c'est ta préférence. T'aimes-tu avoir le meilleur scoreur avec la meilleure team ou le meilleur all-around avec l'autre meilleur team de l'autre division, comme ça. Moi, Embiid, pour moi, c'est le meilleur scoreur, mais c'est le meilleur two-way player. C'est le meilleur, celui qui joue dans la meilleure conférence, qui a eu les plus tough games. Comme Jokic, il est juste là. Comme les Nuggets, dernièrement, si tu regardes les Nuggets, comme les deux dernières semaines, ils sont trash. Yeah. Comme n'importe qui peut les battre là. So, pour moi, Embiid, c'est clear. Comme, au début de la saison, je n'étais même pas sur Embiid parce qu'il était pas. Lui-même avait déjà give up. Il était comme, il n'y a rien que je peux faire pour gagner le MVP. Puis je pensais que ça aurait pu être Tatum. Giannis était là, mais il s'est blessé, il a manqué quand même beaucoup de games. Là, c'est entre Jokic et Embiid, mais comme pour live. Le dernier stretch, Jokic, il n'est pas là-dedans. Là. C'est Embiid or it's bullshit. Puis je ne veux pas dire genre, je ne suis pas dans le bail comme Perkins. Là. C'est juste. Entre les deux joueurs live, ça doit être Embiid. J'ai rien à rajouter là-dessus. Moi, j'ai aucune préférence. Que ce soit Embiid ou Jokic, I don't care. Mais moi, j'aime Jokic. La façon dont il joue, mais ça doit être Embiid live. Comme spectateur, c'est toi, tu prends le meilleur scorer ou le meilleur all-around player. Je préfère refaire chez Embiid aussi. Oh, d'ailleurs, je pense MJ veut vendre les Hornets. Yeah. J'ai vu ça. Il est tanné d'avoir une team médiocre. Mm-hmm. Bon, c'est un peu sa faute là. C'est beaucoup sa faute. Ouais, c'est pas, beaucoup sa faute. Panel, qu'est-ce qu'il a draft de bien dans sa vie? Ben, c'est pas lui qui fait ça, mais whatever. Il est juste partial owner. Mais, ouais, partial owner. En tant que partial owner, tu devrais être capable de mettre un pot. Yo, t'es MJ, bro. C'est vrai. Puis tu parles comme si tu peux score la moitié des rookies, blablabla. Donc tu sais qui est bon, qui est pas bon, mais tu continues à faire des décisions d'imbécile comme ça. Pourquoi que Damien n'est pas coach? Non, je pense pas que c'est en lui. Mais oh, at least, il serait pas capable. Engage comme un fucking GM compétent là. Ouais, exact. Au moins. C'est pas lui qui a all the power. So, mais yo, tu dis au partner qui a all the power. C'est vraiment ça. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas le même, ça marche.
Alright, that's it pour NBA. C'est MJ, ça marche comme ça quand t'es MJ. Je garantis, là, LeBron devient bro, MJ pour aller acheter une franchise à lui tout seul. Non, mais je te dis, LeBron. Il n'y a pas besoin d'être partial owner. LeBron devient. Bon, LeBron est joueur, puis il own la team. Imagine s'il est partial owner, bro. Arrête, yo, MJ. MJ est juste pas bon, bro. Non, pour lui, ça, c'est vraiment ça. Puis il a jamais été bon de là-dessus. Parce qu'il est trop, il est trop au game de honnête. Il a trop d'ego. Parce qu'il aurait pu être partial owner, puis jamais être là. C'est vrai. Il est trop involved comme. Yo. Il était durant les pratiques. Ouais, c'est ça. Tu peux pas me dire qu'il n'y a pas il y a pas genre input. But a man loves basketball, that's all, man. Non, non, non. Il a pas regardé chez lui à la télé. Il a foiré parce que moi, j'aurais jamais choisi les Hornets. Point final. That's... C'est l'équipe qui était la moins chère dans le temps, ouais. Garanti. Il avait pas besoin de prendre la moins chère dans le temps parce qu'il y, y a tout l'argent du monde. Bro, c'est still encore le highest paid athlete in the world. Grâce aux Jays. So, mais peut-être c'est l'équipe qui pouvait avoir la plus grosse portion de... Ouais, durant son... Comme je dis, pas le plus gros pourcentage de ownership de la team. Là. Mm-hmm. Mais en tout cas, moi, je dis, si LeBron... Ah, c'est ça. LeBron t'aurait battu une super team, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mm. All right, Champions League. Mm. Mm. Spenty, talk to us. Talk to us. Big news. Big news, ben, on a eu les draws, qui est bigger news que qu'est-ce qu'on a eu pendant les games, parce que les games étaient plates. Inter-Benfica, à part le injury time, cette game-là était fucking plate. Mm-hmm. Injury time, il y a... Ça a failli aller en haut. Comme on avait dit. Il y a eu genre 3 poteaux, 4 poteaux dans genre les 7 dernières minutes en injury time. C'était quoi de fou, là? Mm-hmm. Milan, AC Milan puis Tottenham, c'était absolument plate. Un autre 0-0. Okay. Le reste... Les teams ont défendu le lead qu'ils avaient. Bayern avait déjà win. Ouais. Real Madrid avait déjà win. So, comme, ils ont juste défendu le lead. C'était plate comme weekend. Comme round. Comme sauf que là... On a eu le draw, puis malheureusement, les 3 équipes italiennes sont du même côté. Malheureusement pour Frank. pour Frank, c'est vraiment ça. Inter va jouer Benfica, puis j'ai peur parce que Benfica don't sleep sur les équipes portugaises en Europe. Ok. Je vois Benfica passer contre Inter, no lie. Moi, j'aime bien Benfica pour aller en finals. Puis après, on a Napoli contre AC Milan. C'est ça que Frank est pas content. Ça, c'est one side. Ça, là. Chiri Doudou. Non, mais c'est... Et Chiri Doudou numéro 2. Je peux pas comprendre. Comme c'est vraiment la pire coïncidence au ever que toutes les équipes italiennes sont d'un côté. Et il y en aura deux ou une qui vont être éliminées. Mais faut que tu te dises, ils ont pas besoin de jouer contre Real. Ils ont pas besoin de jouer contre Bayern. J'aime mieux voir ça. J'aime mieux voir ça. Parce que faut que tu te dises aussi, ok, so Man City, Bayern et Real sont tous. Du même côté. Du même côté aussi. C'est vrai. C'est tout des top dogs. T'as 3 top dogs. Pour vrai, le truc qui a par rapport, c'est Chelsea. Ouais. So, oui, c'est comme, ok, toutes les équipes italiennes, mais si les gars sont sérieux, t'as une team italienne qui va en finale. Garanti. Ouais. Parce que t'es l'autre, si aussi je suis Real, Bayern ou Man City, l'autre bord, je suis comme, shit. Mm. Comme Man City commence avec Bayern. Mm. Moi, ça, je dois jouer contre Real. Mm. C'est tough. Non, c'est fini. Tu sais que c'est des chokers. Ouais, j'ai déjà dit, c'est live, tu vois. Déjà. Yo, pourquoi on parle de Sidi? Je suis pas là. Je vais juste dire qu'est-ce qu'il pense. Moi, je suis pas Sidi là. Je suis pas. Je reviens s'il gagne. Puis les gens vont dire, oh, t'es là parce qu'ils ont gagné. Of course. Of course, oui. Parce que je les ai mis au défi. J'ai dit, s'ils gagnent pas. Ouais, parce que j'ai déjà fini avec eux. Ouais. Puis s'ils gagnent pas cette année. Pep, ciao. Mm-hmm. Ok. Après ça, j'espère que la Ligue vienne sur eux avec le financial fair play hard. OK? Puis Chelsea. Chelsea, les deux ensemble. Puis, après ça, faites-vous relégate en deuxième... Troisième, comme les gars en Italie. Puis, parce que vous êtes juste trash. OK? Après ça, il faudrait juste finir avec le soccer. J'écoute juste la Coupe du Monde. Champions League. J'ai pas de team, OK? Ça va être juste ça. Comprends. That's it. Mais tu dis, c'est là. Dernière chose. Ça, vous l'avez dit. L'autre côté, c'est Man City-Bayern. Malheureusement, Man City, je pense que c'est la fin pour eux parce que Bayern a déjà joué contre Erling Haaland. Ils savent comment ils jouent. Puis Man City, c'est des chokers. Puis t'as Real Madrid-Chelsea. Je vois même pas Chelsea contest dans cette game-là. Non. Pour le reste, j'ai vraiment l'impression que Real Madrid pourrait repeat. Oh, facilement. Yes. Bah, mais facilement, c'est un gros mot parce que tu vas sûrement prendre Bayern. So Bayern is a tough out.
Ouais. Moi, je prends Real Madrid contre Bayern. Moi aussi. Je sais pas, c'est parce que j'ai pas vu Bayern jouer cette saison, mais. Ils sont bons, man. Je crois Madrid. Mais ils sont toujours bons. Ils sont bons, mais j'ai pas aimé comment ils ont joué contre PSG. D'après moi, il aurait dû mieux jouer contre PSG. Ben, ils ont passé 3-0. Oui, mais je me dis... la manière que la game s'est déroulée... Non, mais deux clean sheets. Oui, c'est vrai. Offensivement, sont solides. Ouais, mais t'as joué contre... Comme... T'avais tout le temps la possession. Ouais. Puis comme tu t'es fait prendre sur quelques counter-attacks, ça passe proche que tu te fasses marquer, mais comme... T'as pas joué une team fundamentally sound. T'as pas joué contre une team qui est comme... Qui est organisée. Solide. Voilà. Bien ouais. dit. Bien comme... Dit. On va voir quand ils vont jouer contre Man City. Man City. Mais pour moi, favori, ça devrait être Real. Pour moi, c'est Real et Favori. J'aime pas pourquoi ils sont pas favoris. Real puis Napoli. Ouais, c'est ça. Guys, la finale, c'est Real Napoli, puis Napoli va upset. Après, moi, j'avais déjà call Real Napoli. Ouais, moi, vous savez que j'aime les underdogs. Puis yo. Lui, il veut Benfica. La team qui doit être le plus content du pool live, c'est Benfica. Benfica, ouais, ouais, Benfica ouais, ouais. est comme I can beat you. You. L'affaire, c'est que Inter, je les aime pas. Les Italiens sont des ranceurs. Je les déteste, c'est des ranceurs, mais ils peuvent turn up anytime. Parce c'est qu'ils vrai. Ont l'équipe, ils ont l'équipe pour jouer. C'est exact. Vrai, ils ont une très bonne équipe. Ouais. Martinez, Dzeko, Lukaku, Barella, Onana. C'est Inter qui joue bien, Martinez. Onana est vraiment nice des nets, c'est plus Andanovic. Leur défense, mon gars, est sale avec Skriniar, Bastoni, puis... Comme, ils peuvent turn up anytime. Moi, au bout d'un moment, je poule vraiment pour Benfica. C'est comme quand Ajax s'est rendu, là. C'est comme le underdog or nothing. C'est vrai. C'est mais, vrai. J'ai dit, les teams portugaises sont dégueulasses. Tu check Sporting éliminé Arsenal dans la Ligue d'Europe. Ouais. Moi, je ne sleep pas sur les teams. Mais c'est ça, c'est vraiment Benfica ou Napoli. C'est ça que je veux. Probablement Real. C'est ça. Ouais. Non, ça devrait être Man City, mais non, c'est des recettes sur Real Madrid. Ouais. Faut arrêter là. Ah, moi, c'est encore eux les favoris, mais. Ouais, c'est encore Man City les favoris. Wake up. Ouais, wake up là, c'est fini. Wake up. Comme on a compris, c'est choqueux. Non, c'est pas fini parce que. Non, c'est wake up. Wake up. Oui, wake up. Wake up. Mais c'est pas fini. Ils ont une chance. Wake up. Le bet est encore là. Ils peuvent me prouver wrong. S'ils choquent pas contre Bayern, ils vont choquer contre Real. Wake up. C'est vraiment ça. Non, c'est même pas ça. S'ils choquent pas contre Bayern, il ne choque pas contre Real, il pourrait se choquer en finale. Oh, facilement. Ça, c'est de base. Comme quand ils ont perdu contre Chelsea. 1-0. Mais il n'y avait pas de Erling Haaland. Pas grave. C'était la meilleure team à ce point quand même. Exactement. Haaland n'a pas amélioré la team. Haaland a amélioré la team. Non, il fait juste plein de buts. La team pas non. Comme si la team est rendue plus au pic qu'ils étaient avant. Là. Qu'est-ce qui manquait dans la game contre Chelsea? C'était un striker qui était capable de marquer des buts. Mais c'était pas obligé d'être Haaland nécessairement. Il jouait, je me rappelle même plus qui jouait comme False Nine. Ça faisait absolument aucun sens. Non, mais plus qui jouait, il a dit. Foden, Grealish sur l'aile ou Mahrez. Même si tu faisais des cross, il y avait personne dans la boîte pour jouer. Comme ça faisait aucun sens comment il jouait. Mais si tu regardes Man City, ils ont rajouté Haaland. Ça change. Il fait des buts comme. Ouais, ok, il fait pas 4 buts. À gogo. Mais est-ce que c'est comme la team est genre. Tant au vœu les autres teams, ouais. Même juste dans l'EPL, non. Dans l'EPL, non, mais je veux dire, la team est absolument différente. Puis... Non, c'est sûr, elle est différente, mais ça t'a pas, c'est pas comme si... bon, je vais te donner un exemple. C'est pas comme si, on va dire, tout d'un coup, Warriors met le brand dans la team, et je te garantis, la team est genre 20 wins au vœu les autres teams. Là. Alan n'a pas fait ça. Genre. Ça devrait être le case, ça devrait être... C'est ça, Man City a rien changé. A 20 points over tout le monde dans la EPL. Ça devrait être le case, mais... Si Man City aurait pas eu Alan, ils auraient été dans la même position cette année. M'en fous. Ouais. Donc, y a rien qui a changé. Ou pire. Non, pas... Bah, d'après équivalent, moi, équivalent. Il serait genre dans le top 3. Bro, mais toutes les games que c'est lui qui a fait les 3 buts, non, c'est un draw. Non, ils auraient fait des buts quand même. Parce qu'ils auraient eu un autre vieux striker. Ouais, ils auraient gardé Gabriel Jesus. Toutes les autres saisons, c'est ça. Genre, ils auraient still fini dans le top 3. Ils se sont rendus au Champions League, ils auraient fait les mêmes tétins qu'ils font live. Puis ils auraient probablement perdu genre en quart de finale ou peut-être en demi-finale. Puis les gens auraient dit, oh Pep encore foiré parce qu'ils overthink les shit. Les vrais Man City, c'est genre, ils ont mis quelque chose. Puis ça, c'est pas... Ils ont pas rendu un powerhouse à cause de ça. Juste, ils ont un gars qui fait plein de buts. That's it. Aussi. Alright, guys. Alright, yo, gros épisode encore. Gros épisode. Gros épisode. Like,
share, subscribe, follow, guys. See you next week. Next week, guys. Check.